On se retrouve à peu près un mois après le dernier épisode du Bronze Tuchal. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une série qui a pour but de passer du bronze au challenger en vous montrant comment je fais et en vous expliquant l'intégralité des plays. Je m'étais arrêté à peu près milieu de master, je suis monté jusqu'à 300 LP, 400 LP vers la fin du set précédent. Le challenger était à peu près à 1000 LP. J'ai fait une énorme pause sur ce set là et en plus c'était un set qui était très compliqué pour moi parce qu'il ne me correspondait pas tant que ça, j'aimais pas tant que ça la mécanique des chosen. Mais j'ai quand même essayé de rush le challenger sur cette période là pour finir le Bronze Tuchal vraiment dans un temps assez court. Le problème qui s'est passé c'est qu'on est arrivé au dernier patch. Et j'étais encore assez loin, je pensais que c'était encore faisable, mais il m'a fallu une seule game pour comprendre. J'ai fait une dernière game sur le tout nouveau patch qu'il y avait au moment où le PBE sortait, et je me suis rendu compte que c'était pas très réaliste. Ils avaient rajouté beaucoup d'éléments qui ont une énorme variance, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des trucs absolument dingues qui pouvaient se passer dans les games et qui pouvaient te niquer ta game. Donc vous expliquer comment jouer autour de ces éléments-là, ça avait pas trop de sens pour vous rendre meilleur à TFT au global. En plus, on approchait de la fin du set 10, donc je sais que les gens n'allaient pas forcément regarder la vidéo, ils allaient plutôt se concentrer ensuite sur le contenu qui arrivait avec le set 11. Et moi-même, j'avais très envie de traire le set 11, j'avais envie de faire un maximum de tournois français sur le nouveau set. De bien préparer ça à partir du PBE tout en vous faisant une vidéo efficace et des bonnes vidéos en ce début de set, ce que j'ai plutôt réussi à faire, je pense. J'ai mis un peu mon ego de côté, j'ai décidé de couper ce Bronze Tuchal pendant une période. Là, j'ai repris ça fort et je vais tout donner pour arriver challenger le plus vite possible, le plus efficacement possible. Je pense qu'il va rester à peu près une dizaine de vidéos autour de ça. Je vous laisse avec la nouvelle épisode de ce qu'on va appeler la saison 2 sur le set 11 du Bronze Tuchal. Ok, on est reparti du coup alors. Artefact en ville, spatula, golden finish. Je suis pas fan de spatula. Dans la méta, c'est pas mal parce qu'en vrai, tu peux faire beaucoup de choses avec qui sont viables. Je pense pas que ce soit dingue. On va juste prendre cet artefact. J'aime bien. J'aime toujours bien artefact. Ça a pas changé depuis le set d'avant. Comme c'est un nouveau set, je vais reprendre vraiment les bases parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas voir le début du bon tutorial sur le set d'avant, ce qui est totalement compréhensible. C'est un set qui a rien à voir. Donc là, je vais vraiment vous reparler des bases du jeu. Bien sûr, pas les bases, bases, bases. Genre là, si vous voulez vraiment apprendre du point de vue d'un mec qui a fait 6 games, bah ça vous aidera pas. Mais je parle des bases d'un mec qui est genre gold plat. Qui connaît un petit peu les 2-3 termes du jeu, et voilà. Tout ce qui est apprendre, les unités, les machins, c'est pas ici que vous allez avoir un tuto, bien sûr. Le but, c'est de pas non plus avoir à tout réexpliquer à chaque vidéo. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée plus tard, on verra. Ok, bon, déjà, ça commence fort. On est dans une méta où c'est un peu particulier, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. L'idée, c'est que il faut vraiment atteindre le niveau 8 en 4-1, 4-2, assez fort, assez rapidement, et avec assez de gold, en fait, pour pouvoir roll down, trouver beaucoup de 4 costs. Il y a 3-4 compos comme ça dans la méta. Je vais juste vendre ça et ça. Et en fait, j'aime bien acheter. Pff, ouais, je pense que Super Shogat, c'est quand même plus d'impact. On va pas faire. Acheter un Kha'Zix de plus. Un Kha'Zix 3, Darius 3, il y a une compo qui existe comme ça. Mais je préfère avoir 2 Shogat. Après, j'aurais pu aussi vendre. C'était un autre choix qui était totalement viable. Là, j'ai 2 Darius. Alors là, j'ai Darius 2 qui arrive et Kha'Zix 2. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai aussi de quoi faire un GA potentiellement. Donc Edge of Night, bien sûr. Ou même une BT ou quoi. Et ça, ça peut être un très bon item. Il y a beaucoup de bons items pour jouer. En front, c'est quoi Trinity Force, Death Dance, même Mana Zane, ça peut être sympa pour la tempo. Enfin, il y a pas mal d'items qui sont ok pour jouer Heavenly, qui est la compo actuelle du coup. Et l'idée, attendez, tac tac, je regarde un peu l'Exalted, parce que des deux costs. Ok, attendez, d'abord on va prendre l'augmente. L'idée c'est qu'habituellement j'aime bien lose streak dans la méta parce que le but c'est vraiment de faire un maximum d'économies et en plus c'est cohérent avec le fait de jouer Fortune qui est vraiment le meilleur moyen de s'assurer d'avoir une très bonne économie. En plus là j'ai métabolique, mais. Le problème de ça, c'est que là, j'ai deux upgrades vraiment fortes et j'ai de quoi slam un item dessus, BT ou GA. BT étant mieux, a priori. Donc, on va peut-être prendre Best Friend, qui a une des meilleures augmentes pour être fort en early game vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'est très mauvais actuellement. Et ça, c'est pas cohérent avec ce que je dis. Et ça, c'est broken, par contre. Donc, on va juste roll Best Friend. Je pense qu'on roll Best Friend, au cas où il y a un truc mieux, mais on va prendre Salute of End. Et là, on va juste faire le board avant que j'ai plus le temps. Et on va se demander si on push. Je pense qu'on peut se permettre de push. Parce que déjà, mes upgrades, en fait... Et on va push Bruiser. Mettre le TG. On pourrait le tester le TG. J'ai pas envie de faire Kha'Zix 3 de toute façon. Donc on regarde ce que c'est un JS. Vas-y, on va TG sur lui et on va mettre BT sur lui. Et on va voir l'item. C'est une Triforce. C'est le meilleur item de Evenly. Donc là, ça paraît être une game Evenly assez classique, assez correcte. On va prendre ça. Je me demande si je prends pas no joke juste un Darius. Parce que c'est très fort aussi. Par exemple, tu vois, lui il veut Darius 2. Donc ça peut m'aider à deny un peu Darius. Alors que Garen, personne le cherche, tu vois. Donc ça, c'est vraiment de la micro-optimisation. Dans les one cost que les gens veulent dans les games, mais bon, c'est pas non plus très impactant. Si tout le monde le fait pas, ça a pas tant d'impact que ça. Et alors, ça, c'est deux unités qui sont pas dingues dans l'instantané. Parce que j'ai déjà deux unités front, j'aimerais bien deux unités backline ou alors deux tanks qui ont un peu plus de puissance que ça. Rek'Sai, c'est très fort, mais Komiko, c'est juste pas terrible. Et j'aimerais bien peut-être aussi aller chercher Exalted. Donc, ce qui peut être très intéressant, c'est d'acheter E2 qui sont Exalted pour stacker un peu d'XP à travers la game. Là, je regarde un peu tout le monde quand même, je me demande. Positionnement, si on peut optimiser un peu ça, je pense qu'on peut le mettre comme ça lui dans le positionnement. Vu que l'autre il a une gargoyle, on le laisse à gauche tout seul. Ok, on devrait gagner quand même. C'est fort ce chaîne, mais quand même j'ai beaucoup là. Et donc voilà, là la dynamique de jeu c'était
J'ai Kha'Zix 2, j'ai Darius 2, c'est très cohérent avec le fait de jouer Evenly. Du coup, on connaît cette compo là, on sait que c'est comme ça que ça va se jouer. C'est une ligne très facile, c'est-à-dire que la ligne, qu'est-ce que c'est une ligne? C'est savoir, ok, Darius, ça m'emmène facilement vers Kane. Donc ça c'est une ligne, c'est on part de Darius, on arrive vers Kane. La ligne Darius, la ligne Evenly, elle est très cohérente avec ce que j'ai là. À côté de ça, j'avais de quoi slam un bon item plus... Oh là là là, c'est quoi c'est... Parce que je recorde que c'est ça là. Dinguerie. Bon, alors attendez, juste ça c'est complètement broken, parce que ça me donne à la fois les deux synergies de mes carry, plus c'est directement niveau 2, Qiyana c'est super broken. Hein. C'est très 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 fort comme unité. Et en plus j'ai Nico dans le rôle. Donc magnifique. On va faire ça. Et après next round on va peut-être rentrer Exalted par contre pour essayer de stacker un peu d'XP. Parce que c'est bien beau de winstreak, mais si t'arrives pas à winstreak vraiment toute la game, dans la méta tu te retrouves quand même à un niveau 8 ou 9 où tu peux avoir moins de gold et que les autres. Et du coup pas toucher. Et ça ferait un peu mal. Mais bon là vu l'early game on devrait être en zone game assez facile, ce qui est pas mal. Ça me permet un peu de plus parler avec vous. Enfin vous parler des trucs de base que je suis en train de faire. Du coup là voilà, on a push niveau 4 ici vu que on avait pris nos mondes vraiment de board, plus on avait l'intention de prendre un truc d'artefact fort maintenant, tu vois, pas un truc qui stack des gold ou quoi. Et en plus j'avais un slam à faire avec BT, plus je peux faire un autre slam, donc un autre item derrière. Je peux faire Edge of Night ou Titan. Alors Titan de base j'aime pas trop, mais là pour le coup sur Darius c'est fort. En fait pourquoi j'aime pas, parce que c'est fort que sur Lee Sin, c'est pas très fort sur Kayn en late, sur Evenly. Vous verrez la compo si vous la connaissez pas, vous verrez avec moi tout à l'heure. Là c'est très fort parce que ça synergise toujours très bien Titan avec le heal. Et là il y a beaucoup de heal, beaucoup d'HP de base aussi, beaucoup de résistance, donc très très bien Titan avec ça. Là il m'a pris le GA par exemple, il m'a pris le Edge of Night. Donc si je peux faire une Titan je le fais, après c'est un arc, c'est un composant un peu souvent convoité. Donc ça va peut-être être compliqué de l'avoir, mais si je l'ai c'est forcément le meilleur slam là. Hop, sinon dans le pire des cas je prends la belt. C'est pour faire recommencer un Morello, faire un Sterak, c'est très bon système. Ok, donc là on a Titan, on a triple slam plus. Donc on va avoir 3 items directement sur Darius. C'est pas un slam ça, hein, c'est un item qu'on m'a donné comme ça. Donc slam c'est l'idée de faire un item. Je vais avoir triple item Darius, un TG sur mon Kha'Zix, full upgrade, niveau 5 en rentrant Exalted. Autant vous dire que c'est l'early game du siècle. Donc là on va juste push, hop, et on va rentrer Exalted. Alors Exalted pourquoi? Parce que ça, je pense que je peux le jouer pendant 2 ou 4 rounds. On veut pas le jouer bien sûr 1 ou 3 rounds, on va pas le jouer sur des intervalles non pairs. Parce que le but c'est de stacker de l'XP, et l'XP c'est par intervalle de 2, sinon ça sert à rien. Du coup faut le jouer au moins 2 rounds. Mais là je pense qu'on pourrait le jouer les 2 derniers rounds du stage assez facilement. Du coup c'est super cohérent tout en gardant nos winstreaks en fait. Donc là on va maximiser nos gains, on garde notre winstreak, on écrase le lobby, et en plus on joue Exalted pour faire un peu d'XP. Donc là on a vraiment un early de fou. On pourrait penser à Qiyana 3, Kha'Zix 3. En plus c'est même pas mauvais dans cette compo vis-à-vis du fait que ça augmente les stats aussi d'Evenly que ça vous donne. Du coup ça va vraiment être très fort, mais c'est trop cher. C'est juste trop cher ici, si en plus je veux garder la Nico après qui est mon niveau 6 totalement facile. On slam même si on gagne je pense en fait. Parce que pour le coup ça reste un très bon item de Lee Sin et on s'en fout en fait. Genre écraser le lobby c'est bien là je pense dans mon spot. Après c'est sûr que maintenant infliger plus de dégâts ça a plus tant de valeur que ça, parce que le fait de faire des kills en moyenne a moins de value. Mais je pense que c'est pas un mauvais slam. Mais en fait j'ai un arc, tu vois, arc c'est un item. Après c'est vrai que j'aurais pu faire la super GA qui s'est baissé slot de Kayn. Non c'est peut-être mieux de pas le faire, mais bon je pense que c'est fine de faire ça ici. Je pense vraiment que c'est ok de slam ça. Puis de toute façon je tag lui derrière, donc j'allais forcément le slam. Mais bon c'est forcément résultat en tête, c'est sûr. C'est sûr qu'on aurait pu voir quand même le résultat avant de juger. Mais ouais je pense que c'est fine de slam. En fait dans tous les cas je vais vouloir slam un item là. J'aurais pas slam la Swisper, mais j'aurais pu slam GA, mais je pense que GA est moins fort sur Darius. GA, la Swisper, c'est des items qui sont plus forts plus tard sur... Attendez, juste je vais vendre Nico, parce qu'en vrai Nico c'est bien, mais je peux jouer d'autres trucs à la place s'il faut à un moment. Je peux jouer Dragon Lord, je peux jouer Invoker, je peux jouer Reaper, je peux jouer plein de trucs. Donc on verra. La Swisper, lui il fait des dégâts physiques, donc ça sert à rien de lui mettre la Swisper. Enfin Titan sera toujours mieux en fait, donc autant rester dans la tempo et essayer d'être strong forward. Parce que comme c'est une méta où il faut vraiment un maximum d'économie, si tu commences à jouer à moitié strong board et que tu perds ta streak au milieu, et voilà, c'est trop bizarre. Autant juste full open de ton early game quoi, de ne pas jouer de board. Si on pense comme ça, le résultat c'est logique, on se dit il faut être le plus fort possible en permanence. Le truc étant que avec un arc et une chain, je peux faire la Swisper ou GA. La Swisper on l'a dit c'est mauvais, GA c'est pas un très bon item comparé à Titan. Titan ça amplifie trop les stats que j'ai à droite, c'est-à-dire les résistances, le heal de la BT, ça amplifie toutes ces stats. Ça peut être sympa si j'ai Evenly ou Reaper, sinon c'est un peu bizarre. Par contre du coup j'ai pas de gold. Ah je fais pas 30 là, ça fait un peu peur par contre. Parce que j'aimerais quand même avoir assez de gold pour pouvoir trouver mon Kayn sans faire full contest. Faudra voir si le lobby joue ça aussi. Perdre les paliers pour les gold c'est pas gênant. Alors là du coup je voulais pas perdre le palier de 10, c'est assez important. Mais si jamais j'avais perdu c'était pas si grave parce que Exalted me redonne 2 gold techniquement. Donc c'était ok tu vois de push et d'augmenter aussi mes odds d'avoir des meilleures unités. J'aurais pu avoir plus de Soraka, plus de Nico grâce à ça. Ou même des Kayn, tu vois, ça me débloque 2% d'avoir Kayn ou Morgana ou même Lee Sin. Donc c'est pour cette raison. Mais après, c'est sûr que c'est pas... Perdre le palier, c'est très rarement le play. Mais voilà, du coup, c'est pour cette raison que j'ai slam le Titan. Mais c'est vrai qu'on peut attendre, essayer de grid un peu,
créer le maximum de le scénario play roll, on va dire, dans le sens où on aurait pu avoir la Swisper GA plus un item Darius en fait, genre Starak ou quoi, tu vois. Mais bon, c'est ok, on s'en sort bien. Et au final, on n'a pas tant de gold que ça, c'est ça le problème. Le seul problème de ma game là, que je me dis, c'est si je commence à perdre ma streak et tout, ça va être très bizarre. J'ai un board qui me fait dire que j'ai très très peu de chances de perdre ma streak. Je suis dans le top 5% des meilleurs boards du possible à ce stade de la game, genre. Quand même, faut faire attention, mais pour ça, il y a Exalted qui m'aide un peu. Le fait d'avoir un board aussi fort, ça me permet de l'assumer tout en gardant ma win streak, de le jouer un petit peu plus longtemps. Et Refractor, c'est bien, mais c'est pas des items ouf, malheureusement, ça. T'as pas envie d'amplifier ça. C'est-à-dire que niveau win streak, c'est cohérent, parce que ça me permet de faire un item en plus, plus de faire un... avec le composant, plus de faire un item radiant avec ce que j'ai, mais c'est pas des très bons items radiant, enfin... C'est pas les meilleurs du jeu, genre je prends ça plutôt quand il y a Morello, ça. Ça, c'est super fort, donc c'est peut-être la meilleure augmente du jeu, de la compo. Et je pense qu'on va juste itemiser Kian avec ça. En fait, j'ai déjà une Trinity Force, ça fait que 3 Trinity Force, c'est peut-être un peu beaucoup. Ça fait un petit peu peur de prendre ça, mais je pense que c'est fine. Edge Fund, non, je suis un peu en rate de gold, mais faut pas abuser non plus. Et du coup, on va juste prendre ça. Et c'est 12 gold pour le push. Je pense être à 32, c'est ok, que si ça me permet vraiment de gagner contre un mec. Je pense que je les bats en vrai, hein. J'ai rien à push de fou, donc on aurait pu push genre un Harry pour Arcanist. Mais je préfère faire 50 en fait. J'ai des bonnes augmentes de board, vraiment, j'ai pas besoin de plus. Et avec ça, je peux faire GA. On n'a pas de composant de Morello, mais on peut utiliser ça pour faire Morello. Peut-être. Peut-être je devrais juste pop ça par contre, parce que là j'ai une prismatique de retard. C'est vraiment chiant d'avoir eu un Tom, hein. C'est pas super dingue dans cette compo. Putain, ah ouais, non, mais il va me déchirer, j'ai dit n'importe quoi. Bon, au moins on fait 50. Je pense qu'en pushant, j'aurais perdu quand même, donc autant faire au moins 50 en faisant ça. Et on attend peut-être un round pour être on curve, je pense pas. On curve, ça veut dire qu'on est devant. Pas de level ici, ouais, non, parce qu'en fait, justement, si je push, pour le coup, j'aurai un niveau 8 trop dégueulasse, je pense. Et ça me fait pas gagner là en vrai. J'ai regardé les match-ups et je voyais que ça me faisait pas gagner. Donc là, ça upgrade ton prochain 2 cost ou alors ça te donne 7 gold. En vrai, les 2 cost là, j'en ai rien à foutre. Juste 7 gold, c'est très bien. Ça m'avantage plutôt bien cette encounter. Et on push directement sur AK qui rentre super bien, qui me donne de la paix pour mon Darius. Super bien. Et je pense qu'on va juste jouer Exalted en moins de rounds encore. On va regarder Skindred pour pouvoir remplacer. Là, faut commencer à penser à remplacer les deux Exalted. Je le garde encore 2 rounds pour pouvoir maximiser mes gains d'Exalted. Ça m'aurait fait 6 rounds d'Exalted quand même. C'est quand même 6, l'équivalent de 6 gold, plus ou moins, donc c'est bien. Et je pense qu'on peut pop ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 10. C'est des intervalles de 2. Donc ça fait 6, 8, 10, 12 pour optimiser son tome. Je vais vous expliquer ça après, mais voilà. En gros, ça fait que là, j'ai eu ça, c'est big. À partir du moment où tu as 6 synergies à gauche, qu'elles soient grises ou pas, le jeu va te proposer une des synergies dans le tome qui est, on va dire Taylor, on appelle ça Taylor, donc qui est, comment dire, taillée sur mesure. Voilà, ça te prend une des synergies à gauche et ça te la met dans le tome. Et après, tous les deux, ça t'en rajoute un. Donc à 6, t'en as qu'un seul de Taylor. À 8, t'en as 2 qui sont Taylor. À 10, t'en as 3 qui sont Taylor. Donc là, je sais que j'ai 10 synergies, donc j'en avais 3 qui étaient Taylor. J'avais forcément, sur ces 10 synergies-là, au moins 3 qui étaient dans le tome. Pourquoi elle a pas de slam GS? Parce que ça, c'est red buff, ça, c'est BT. En fait, la BT, c'est trop un bon item. BT ou Sterak, tu vois, c'est trop des bons items. GS, c'est sympa, tu vois, mais c'est pas dingue non plus sur Lee Sin et Kayn, parce que ça fait pas tant d'AO que ça. Je trouve que c'est plus cohérent de les rendre un peu plus tanky et leur permettre de s'exprimer plus longtemps. Et BT sur double Trinity Force, ce sera toujours plus fort, je pense. Après, en vrai, je dis ça, mais... Ah, je dis ça, mais en vrai, je sais pas si j'ai envie de slam BT, parce que du coup, ça fait que j'ai pas de GA. Mais après, je peux être Trinity Force BT, j'ai pas besoin de GA nécessairement avec ce genre de gear sur Kayn. De toute façon, avec autant de Triforce, ça veut dire qu'on a beaucoup d'items pour mes carry front. On va sans doute jouer autour de Wukong, hein, surtout. Donc autant jouer la tempo pour pouvoir accéder au niveau 9 et donc à Wukong plus tôt. Jouer la tempo, ça veut dire jouer agressif, quoi. Juste jouer pour être fort dans la tempo, jouer fort dans l'instant présent. C'est ça que ça veut dire. On va faire ça. Faire garder pour BT Titan ou Morello. Titan, jamais par contre, de ce spot. J'ai déjà une Titan, j'ai pas envie d'en faire deux. Titan, le seul qui l'utilise bien vraiment, c'est Lee Sin. Les autres, c'est trop nul. Wukong ou Kayn, c'est vraiment des mauvais utilisateurs. Arakan, c'est vite fait acceptable et encore, c'est vraiment nul. Parce que... Une grosse partie, ça va être de l'AD, un peu d'AP et des résistances. Donc il y a très peu d'unités qui utilisent vraiment bien ça. Par contre, lui, il m'a déchiré, vraiment, c'est choquant. On va prendre de quoi faire 4 duelistes, parce que là, je pense que du coup, on sépare d'Exalted, ça devient trop faible. Les Exalted, ils m'ont aidé un peu à remonter mon écho. Donc là, on a une écho d'à peu près d'un mec qui peut 4-2, quoi. Qui peut push en niveau 8 en 4-2, mais c'est tout, quoi. Je vois pas trop autre chose. Ok, faut que je replace cette Kiana aussi à terme. Mais là, du coup, j'avais une bonne streak stage 2. Et là, stage 3, maintenant, je me retrouve un peu. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas le scénario qu'on veut, ça, c'est. Se retrouver comme ça. Après, je pourrais le jouer encore 2 rounds pour vraiment maximiser mes goals. Ça dépend si je conteste ou pas. Dans tous les cas, je vais pas pouvoir 4-1 avec mon économie. Il y a un mec qui le joue, lui là. En vrai, je suis pas en train de win streak donc. Ouais, non, autant continuer à jouer ça. Hein. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Faut juste pas upgrade ces unités là. Vraiment, on veut pas upgrade ces unités là parce que upgrade un 2 cost au niveau 2, ça va vous
ça va vous faire perdre un gold que vous récupérez jamais. Et en plus, sur le moment où vous l'avez dans le, sur le board, bah, vous avez 5 gold qui sont portés sur une unité qui sert à rien. Donc on peut jamais upgrade ces petites unités-là, quand random d'Exalted. Enfin, on veut si on, les, si on les garde vraiment longtemps et tout, mais là, c'est vraiment des unités qui apportent rien et tout, donc c'est plus cohérent comme ça. On peut peut-être gagner ça, j'ai 3 items quand même. Magnifique. J'ai un pré-level peut-être en vendant Tristana. Merde, j'ai pas de pré-level, je suis con. Je suis voix 9, je suis débile. C'est pas grave, j'ai vendu Tristana pour rien du coup, super. C'est pas grave en vrai. Hop, on rentre ça, ça me fait Evenly plus, plus Arcanis, c'est bien, de la paix lui l'utilise plutôt bien. Knarr pour la Titan, de quoi. Mais là je vais jamais jouer Knarr, là les gars c'est... J'ai la spat Evenly, j'ai full Triforce et tout, j'ai pas d'item Kinred, c'est toujours ça. Et en plus, j'ai commencé à push les levels. C'est vraiment vraiment jamais, jamais Gnar ici. Il y a un monde où si c'est un 1, je joue Fortune. Ça fait genre 3 gold. Bon, il n'y a pas de Fortune. Flop. On upgrade la... Enfin, on garde les Kiana. Parce qu'on veut replace, du coup. Et là, on a demi Morello, la Swisper. Magnifique, on va faire ça. Du coup, par contre, la Swisper, je sais pas qui va le porter. Attends, c'est bizarre, là. Parce que ça fait genre Morello. Ça va être genre... BT, Titan... ça va être trop bizarre là. BT Titan. Ouais, ça c'est le désavantage d'avoir pris 3 Trinity Force comme je vous disais tout à l'heure. BT Titan, Trinity Force sur Lee Sin. Et du coup après la Swisper. Trinity. BT sur Kane. Mais le truc c'est qu'il va être trop squishy. Okay. Donc, du coup là on a fait un Exalted de plus. On va voir. Déjà on va push, on va chercher nos unités. Hop, on fait ça. On enlève les unités qu'on jouera pas. C'est-à-dire ça, ça et ça. On rentre ça, ça, ça. Et on peut rentrer qui d'autre, il manque qui là, Malphite. Voilà. Ou Janna, ou Rakan, bien sûr, si on les trouve. Band of Thief, c'est peut-être un peu beaucoup niveau item. De toute façon, tout ça, c'est que 10 items, c'est pas ce qu'il me faut. Ça me fait 8 gold, en vrai, pourquoi pas. Hein. C'est pas une si mauvaise valeur. Après, je pense que Lingorp, c'est quand même mieux, on va augmenter de board avec cette compo. Donc là, on est dans un setup un peu awkward quand même, parce que, bah... On n'a pas encore hit. Ouh, alors ça, c'est bien. Hop. Je vais skip, hein. Enfin, juste au moins un Kane, en vrai. Ce serait une belle upgrade, voilà. Hop, hop, hop. Attends. On va faire ça. On va aller chercher un Lee Sin. On va vite prendre nos idées avant que ça commence. Et je pense qu'on va utiliser Rakan, en vrai, hein, du coup. Ah, j'ai pas envie de... Pff, ouais, je suis obligé, frère. En vrai, je peux juste mettre les items sur... Ouais, bon, je me suis embrouillé là, mais on va mettre les items sur Kiana en transi. Elle est où, cette Kiana? Et on en retrouvera une pour rebuild. C'est très chiant, mais bon, c'est comme ça, je suis obligé. On va faire 10 vite fait. Et voilà, mais vous avez vu, du coup, j'ai push sur la curve. J'ai push au niveau 8 pour vraiment que ça mette à 0,72 et pas à 2,72, sinon j'aurais perdu 2 gold qui sont dans le vent. Grâce à Exalted, j'ai pu faire un bon push. J'ai quand même Rakan qui est super bien. Donc là, en vrai, je suis pas faible, mais le problème, c'est que j'ai pas mon Kane 2 ni un Lee Sin, en fait. Il faudrait, je pense, Kane 2 pour m'arrêter de roll, là. Si là, ça peut être un bon holder de ça, mais bon. Ok, bon, ça, malheureusement, c'est pas des bonnes upgrades. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et voilà. On perd KZX2, on perd un peu de stats, du coup. Mais je pense que juste ça passer ça niveau 2, c'est un petit spike. En fait, si j'avais beaucoup plus d'HP, genre si j'ai la chose à 80+, je me permettrais de jouer un peu plus slow, mais là j'ai pas envie non plus de perdre trop de tempo, d'être trop faible pour rien. Parce que j'ai quand même pas un seul Lee Sin, j'aimerais bien acheter cette Kiana aussi, ce serait bien de gagner. Et du coup, la Swisper, je sais pas du tout qui est censé le porter là. Hein. Parce que c'est un super item, c'est très important d'avoir du Shred dans cette compo, mais là, je sais pas du tout, frère. En fait, j'hésitais à jouer Xayah pendant un moment, mais t'as pas altruiste, plus ça a pas trop d'intérêt en fait. Je veux pas que ce soit nul, tu vois, mais. Sans trickshot et tout en plus, c'est assez mauvais en fait. C'est tellement broken cette unité. Je crois qu'on gagne, non? Ouais. C'était close quand même. Et sur le smurf là? Non, je suis sur mon main. Mais en fait, je pense que je reprends sur mon main parce que c'est à peu près le même elo où on s'était quitté sur le set d'avant. Morello. Ouh. Red buff, si c'est pas Morello, on le fera plus tard le Morello, mais il me le faut absolument. Ah putain, fais chier. Je prends un petit G de merde, mais je fais. Je pense qu'on va faire un Event Shroud, on est obligé. Petit G sur Soraka. Janna, alors ça c'est intéressant. Janna serait plus fort que Malphite dans ce spot. C'est Vomendes qui me disait ça. Bon, là on est plutôt stable en vrai. Et on a 66 HP, donc là je pense qu'on peut s'arrêter. Maintenant qu'on a cette Janna, on a un truc. Plus en plus on a un TG à faire là. Là vous allez me dire, oui, mais comment tu vas faire pour le.
le Last Whisper, bah là, de toute façon, dans tous les cas, c'est bien que sur Wukong, quoi. Donc, autant faire un TG si je vais pas dormir avec 15 items sur le bench non plus. Néanmoins, faut jouer. Et je peux pas roll plus, parce que ça me demande de vendre Qiyana, puis c'est chiant, en fait, j'ai envie de remonter vite fait mon écho, je suis pas tant contesté que ça. Si je le trouve pas maintenant le Kane, je pourrais le retrouver plus tard. C'est important de faire Morello ou Red Buff, donc on garde les deux options, c'est bien. C'est le plus important, là, dans mon spot, d'aller chercher l'un des deux. Et Kane 2, et avec ça, je peux à peu près assumer mon stage 5, mais j'aurais pas forcément un top 1, là. J'ai pas Hyrule tant que ça, le stage 3, j'ai pas trouvé mon Kane 2 si vite, j'ai pas trouvé de Wukong, j'ai pas trouvé de Lee Sin. Donc c'est bien, ça vous permet de vous montrer une game où on a juste joué autour d'un très bon opener, par contre, on va pas se mentir, mais où on se laisse pas avoir par le fait qu'on avait un bon début de game et on fait n'importe quoi sur le reste de la game. Il faut quand même faire attention. Pourquoi je roll pas? Parce que ça me fait faire des... Si c'est ça la question, c'est parce que ça me fait faire des golds, là, que j'ai besoin de gold, en fait. Si je peux pas accéder... En fait, c'est une méta qui est très orientée sur le... Ah, pourquoi Janna Over My Feet? Attends, je finis d'abord de dire ce que j'étais en train de dire. C'est une méta qui est très orientée sur le high roll. Donc il faut pouvoir atteindre le niveau 9, il faut pouvoir atteindre vraiment des gros caps. Et les gens jouent slow early game, donc c'est important de... Merde, pourquoi il est là lui? C'est pas grave, il a des résistances avec ça. C'est important de jouer autour du cap, quoi. Faut vraiment grid un maximum dans cette méta. Quand tu peux te le permettre, bien sûr, pas à n'importe quel timing. Là je le fais parce que je sais que Kane 2, Kane 1 avec ses items c'est fort, que j'ai trouvé Rakan, que j'ai trouvé Diana, etc. Et pourquoi Diana est mieux que Malphite? L'Omnivamp c'est trop fort concrètement. Que ce soit sur Rakan, que ce soit sur... Que ce soit sur Kane, que ce soit sur Qiyana, ici c'est trop fort. Ou Lee Sin, hein, à la place de Qiyana quand t'as Lee Sin. Petit Dragon Lord, bon le proc il est vite fait. 12 d'AS, c'est 5% de damage, c'est ok. Et puis Qiyana c'est une bonne unité. Alors que Malphite il fait rien de tout ça, il donne un peu de résistance. Un petit proc Evenly en plus, qui va donner 2-3 petits stats par-ci par-là. C'est à peu près l'équivalent d'un ton of stats, voire un peu moins. Genre un en moins de stats partout. Mais l'unité est trop dead en fait. Alors que ça fait des trucs. Ça te carré quoi, c'est vraiment fort. Puis j'ai beaucoup de résistance en fait sur Infinity Force plus BT, tu vois, 150, 150. Donc là, 10 de résistance, voire un peu plus, genre 115, enfin 15, je veux dire. 15 en plus partout, ça va pas me faire une différence si majeure que ça, je pense. Donc voilà, c'est Vomen qui me parlait de ça. Faut vraiment pas sous-estimer Diana dans setup en transit quand t'as pas de spot Evenly. Enfin, même quand t'en as une, mais je veux dire, quand t'es pas en set Evenly. En set Evenly, par contre, c'est toujours. C'est toujours le move, hein. Je prends une vente ça. Par contre, faut pas abuser, j'ai une spot. Et du coup, ça, j'en ai aucune idée de ce qu'on en fout. Ouais, il va me falloir quand même Kane 2. Hein. Après, si t'as Malphite 2, là, ça change, ça fait toute la différence. Parce que là, pour le coup, ça commence à être des vraiment bonnes stats. Lissine, Wukong. Ok. Là, on parle un petit peu plus. Alors. Je pense que c'est ça. Putain, y'a pas de red buff, sérieux. J'ai un très bon item sur lui. Titan. Et vas-y, Zo. Oh là, on fait avec ce qu'on a, hein, parce que vraiment, c'est galère. Là. Le but, c'est vraiment de jouer en set Evenly, mais ça, je pourrais le faire que au level up. On va regarder le Malphite, c'est le plus chiant à retrouver en late. Et c'est Nico, si je l'avance, c'est plus de gold. Et on va chercher une upgrade. Si j'ai Wukong 2, ce serait dingue aussi. Ah, c'est très bizarre là. C'est vraiment très étrange là. J'ai peu d'upgrade. Une BT Titan pour Lee? Non. Non. GA, c'est un très bon item sur Wukong. C'est un trop bon item sur Wukong. C'est beaucoup plus d'impact que maintenant. J'ai healing orb, plus il a du heal, du shield, le Lee Sin, je me dis que c'est pas si important que ça qu'il est BT. Bon, c'est une Titan un peu dead du coup, mais de toute façon, la Titan, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était surtout là pour être fort en early game, en late elle est faible. Bon, là on est très faible hein, par rapport à une tempo classique. En 5-2, les gens ils commencent à trouver leur légendaire et tout, dans la méta, vu qu'ils ont full open early. Donc là on est super faible en late game. Il faut que je trouve quelque chose, mais lui il deny des Lee Sin pour rien. Lui il a Kane 2. C'est compliqué là, game très compliqué en late, très facile en early, très compliqué en late. Ok, alors ça c'est huge, pour me débloquer un peu, j'ai déjà Kha'Zix 2, magnifique. On met Soraka au milieu du board ici, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le positionnement, pour comprendre pourquoi, c'est vis-à-vis du... pour qu'elle puisse target tout le monde en fait, sur la map, sinon elle est bloquée, sur la front. Et Kane 2, c'est vraiment une upgrade de fou, par contre, faut vraiment que je positionne bien pour pas qu'il se fasse trop CC là. Ok, on va fake swap à droite. Comme ça. Parce que comme ça, je peux peut-être contourner contre lui. Je sais pas qu'il se fasse cesser à part le... Ok, nice, il a pas casse le Wizir, c'est big. Ça fait super mal, Janna, ça fait un peu peur là, mais... J'ai quand même beaucoup de résistance.
Donc ça passe, ok, là vous voyez la différence qu'on a Kane 2, c'est quand même quelque chose, mais c'est tout ça, ça part d'où? Ça part du fait qu'on a grid tout à l'heure quelques gold pour le PvE, pour avoir 30 gold après le PvE. Sans ça, on n'aurait jamais eu les gold pour toucher ça maintenant et on aurait perdu ce round. Et là, pour le coup, si on pouvait jamais faire plus qu'un bottom, le red buff serait absolument dingue. Ça y est frère, laissez-moi du jus d'anti-heal. Il y a une BT qui est pas mal du tout. C'est 3 gold, sinon avec Protector Vaux ou Garbreaker. En vrai, je vais juste prendre Garbreaker juste pour Dina Lissandra parce que c'est trop broken. Si je le tag lui et qu'il a Lissandra 2, c'est chiant. Je pense que c'est pas si mauvais Garbreaker sur elle. De toute façon, là, si je l'antile, ce sera au moment où je. Là, je vais pas faire beaucoup plus qu'un top 4. Je joue pas beaucoup plus qu'un top 4. Normalement, il faut aller au 9, hein, mais là, je pense qu'il me faut au moins un des deux niveau 2, sinon c'est trop bizarre. Voilà. Bah, du coup, on va en Lee Sin. Parce que de toute façon, si j'upgrade mon. Bah, du coup, on fait Garbreaker là aussi. Si j'upgrade mon. Enfin, si je push, c'est dans 15 ans, quoi. Et on pourra push Janna, c'est fine. Autant vendre Lee Sin en fait. Parce que là, c'est, si je push, c'est dans 6 rounds. On pourra pas juste garder notre Malphite 2 sur, pendant 6 rounds sur le bench. Juste pour perdre 1000 de puissance de board pendant 2 rounds. C'est pas rentable. Parce qu'il y a ce round plus le. Il y a la puissance de board ce round plus. Il y a le fait que ça me coûte cher. Ça coûte 2 gold quoi. 2 gold de roll qui pourrait être le 2 gold de roll qui m'amène au con plus tard. Bon bah, lui il joue la meilleure unité du jeu actuellement. C'est-à-dire. Comment ça s'appelle? Il joue Lissandra, mais on a réussi à faire quelques kills, donc ça c'est cool. Et là on essaie de salvage un top 4 magnifique. Donc voilà, là c'est le genre de game où on a un bon opener, mais comme je vous dis, c'est pas du tout la méta de jouer agressif early game. Du coup j'ai eu un bon stage 2, mais comme ça a pas suivi sur stage 3, bah j'ai pas eu tant d'avantages que ça par rapport aux autres qui ont juste full open et fait beaucoup d'économies, et qui aéroll Lissandra, qui aéroll quelque chose. Du coup bah j'ai fait comme j'ai pu. Bon là, ça c'est très bon. En fait il me faudrait de l'anti-heal. C'est le shred, c'est bien, après arpanger le titan c'est nul. J'ai un roll. Mais bon, ça c'est éteint. Hein. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Gunblade pour lui, pour valuer les résistances de la Titan. De l'anti-heal ici. Et ça, c'est trop nul. Mais bon, on va faire comme on peut. On va le mettre sur lui, niveau 2. Et voilà. Hop. Lui, au positionnement, je peux peut-être le battre. On va fake. Comme ça, complètement. En fait, il a vraiment une grosse Kai'Sa. Et j'ai pas beaucoup de front. Donc c'est compliqué quand même. Mais maintenant que j'ai mon setup à peu près. Tempo, on est fort quand même. Ok, tant qu'il one shot pas mon Kane, magnifique. Faut peut-être aller chercher plus du coup. Je sais pas pourquoi il a hold 20 Lee Sin pour le bench là, ça n'a aucun sens dans son setup, mais bon, soit, c'est fine. On a quand même trouvé Lee Sin 2. Voilà, maintenant le but c'est juste d'aller au niveau 9. Pourquoi est-ce que j'ai roll autant? Vous pouvez me demander pourquoi j'ai fait comme ça des micro-rolls, etc. C'est vraiment, j'ai envie d'aller. C'était important en fait, jusqu'en stage. Jusqu'en stage 5, je pouvais me permettre de ne pas trouver mes upgrades trop et tout, juste d'avoir Morgana 2 et Kane 1, parce que je connais la puissance d'Evenly et ça t'apporte assez de puissance pour faire ça. Genre, c'est vraiment spécifique à la compo, à chaque compo a ses spécificités vis-à-vis de ça. Et là, je garde ma Diana, hein, c'est important. Je sais que c'est par rapport à cette compo que je peux me permettre de faire ça. Mais en règle générale, ça dépend des compos, tu vois. Il y a des, par exemple, H Lilia, je pense que t'as au moins besoin d'une upgrade entre H et Lilia, tu vois. Etc, etc. Mais par contre en stage 5 j'avais très besoin d'une upgrade et donc là j'ai commencé à full roll down. C'est pour ça que en gridant quelques gueules comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis d'aller plus loin. Bon là par contre il n'y a plus grand chose, il y a un Raven Shroud. Malheureusement j'ai pas vraiment de holder mais bon. Il y a un Raven Shroud qu'on va cacher ici là. Entre les deux. On va les mettre un peu en retrait pour qu'elles restent plus longtemps dans le fight. Ça peut être assez de shred pour vraiment faire du bon burst. Lissandra de merde, il a bien positionné ça, Lissandra, j'ai troll. Voilà, c'est compliqué là. Ça, c'est un très mauvais match-up dans la méta. Mais donc, je crois que là, je suis mort. Ouais. Mais je pense que c'est quand même une game intéressante pour vous montrer comme en top 4 dans des moments un petit peu fastidieux et quand vous jouez un peu à contre-courant de la méta. On peut vraiment aller de la 9 là, pourquoi pas Donkey Wukong? Bah, en vrai, là, si je positionne bien, je peux peut-être le battre lui. Et en fait, genre Donkey Wukong, c'est joué pour le top 4, voire 3, tu vois. Si je suis niveau 8 avec juste Wukong 2 ici, ils vont forcément madcap en fait. C'est-à-dire que ça se fait trop counter par Lissandra pour que je me permette de faire ça. Autant chercher le push Janna into Wukong 2 plus tard. Et voilà, c'est un bon top 4, je pense que c'est bien pour vous apprendre à jouer Evenly.